Mesdames et messieurs, TV la caille haïti.com. Encore une fois, nous tournons la caillou avec une nouvelle vidéo et pour nous venir informer sur gros coup et gros coup de filet. La police fait journée et vendredi 23 juin. Et faut que nous disions qu'il y a plusieurs bandits qui ont même tombé en bas code, surtout dans le département de la Tibonite et ville Saint-Marc. Il y a plusieurs bandits que la police marre. Et nous allons inviter autant de quelques extraits là que nous avons même tap répondre à la question Babylone. Eh ben et sous accusation qui pesait sur doyo nèg yo nan vol yo nan vol yo nan tout sak pa sa yo pa vle travay ou rete la Tibonite pour tèt gagnen pour glok gagnen la Tibonite pour glok gagnen en bas sa pour nèg yo pa vle travay nèg yo vle se zam pour kembe se volo pour voler son pays difficile c'est volo pour volo. La question sanction qu'a prend contre divers chefs d'ordre dans le pays, mêlé à gros bourgeois gang tout. On veut parler des appels, mesdames et messieurs. Eh bien, dans ce moment là, autorité canadienne qui prend sanction contre l'homme sans jour et vite l'homme ISO. Bon, on question m'a posé tête moi. Qui sa sanction contre ISO vite l'homme sans jour pour utile pays ça? Là, yo pa kon voyager, yo pa kon monte avion, yo pa gen kote kon ale, c'est juste là nan base yo ap volo, ap kidnappe moun, ou tan de sanction. Ki sanction? Pour qui sanction ça? C'est ça m'ta reme konnen. Parce que gon niveau que audace autorité ou bien moun à l'étranger ça yo pour nous parler des américains ça yo et canadiens ça yo ap afficher dans pays, c'est parce que pays ça pa gen moun sérieux. Parce que pour qui sanction? Est-ce que là yo kon voyager? Est-ce que là yo fait business? L'autre bois, non. Pour qui sanction? Si vous coûte maintenant vie by pays, y'a envie de débarquer Haïti la vie, mettez nèg yon bas code, remettez la population pour bas ou bois calé, nous pas un problème. Ça, mais quand il s'agit de sanctions, sanctions pour qui ça? C'est du pipi de chat, comme dit Lambert. Parce que sanctions ça, ou pas utile, non. Pourquoi sanctions contre barbecue, qui t'aime l'île? Est-ce qu'il a voyagé? Il va le monter avion? Non. Est-ce que ISO va le monter avion? Est-ce que vite l'homme l'a mort sans jour pour le monter avion pour y'a le caille et Joe Biden? Non. Et pourquoi sanctions contre tout? Sanctions pour qui ça? Finalement, mesdames et messieurs, faut que pays ça, les mêmes li sorti en bas griffe blanc ça, yo, cap bêtisé à caractère haïtien, haïtienne, conséquent dans pays ça, ben, t'as qu'à avoir un bon coup de main à pays, ya, mais, dès qu'il y a l'état ça, yo, yo senti, non, faut que yo gen blanc derrière, yo, c'est laisse ça, senti yo gen pouvoir, alors que blanc, lui même peut-être pas, pas ta vle pays, ya, lui même gen sécurité, et blanc, pas ta vle tout, ben, pour insécurité a fini dans pays, ya, parce que faut que yo toujours, eh ben la souterrain hein, pour penser pour y a chita parler parlant pile faire d'autres réunions vie tourner rien pas réglé rien pas réglé. Et ben dans vidéo ça mesdames et messieurs nous pour le entendre eh ben dossier et bourgeois ça qui américain et canadien sont sanctionnés là ensemble avec la mort sans jour qui était déjà metté $1 million sous tête vite l'homme. En tout cas en temps de causer n'a tourner. Eh bien, nous allons entrer directement dans l'actualité. Eh bien, cette fois-ci, mesdames et messieurs, je pense que nous avons entrer Canada, côté que justement, sanctions tombent pire raide. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est l'homme d'affaires, André Appède. André Appède qui joue une sanction sans compter et toi, l'autre membre gang, hein, qui joue une sanction, évidemment, nous allons parler de ça. Mais c'est important que je dis là, nous restons entre autres dans le cadre d'André Appède parce que nous connaissons. Oligarque ça yo c'est yo en pays qui a baise am qui a baise munition et bien nous toujours a dit comment faire barbecue jeune sanction pour que ISO pour jeune sanction et bien là André Appède mesdames messieurs bonne nouvelle monsieur jeune sanction pour pas dire et l'homme sans jour pour pas dire également et n'importe éviter l'homme nous pas parler de ça puis sans côté et bien n'a salut haïtien qui était en France qui te prend la rue qui t'a dénoncé Ariel Henry mesdames messieurs. Nous avons extrait pour vous, nous allons passer ça dans les comme ça. Et puis ça, côté, il y a plusieurs arrestations. Bon côté, la police. Mais avant ça, je salue Pradel puis Lainol. Monsieur, comment y est? Bien, nous avons dit, mais dans le cadre d'arrestations qui fait, plusieurs arrestations dans nos pays, dans le débat de la Tibonite. Et nous avons dit, relatif avec justement sanction, qui est une série de sanctions qui a continué, et justement, à distance Trudeau, qui lui-même a été prendre sanction contre l'homme d'affaires. Eh bien, on va aider André Appède, accompagné, André Appède, de mettre en temps trois autres chefs gang, ISO, et ISO, l'homme sans jour, et pour citer ça seulement, et il a parlé de l'idée de l'homme. Eh bien, Pradel, on a continué pour plus de précision, et on a fait la bouille.
Oui, n'a pas avancé directement dans le cadre d'informations qui sont faites à prédominer l'actualité. Eh bien, au niveau du pays d'Haïti, eh bien, nous pouvons aller, eh bien, au niveau de Saint-Marc. De Saint-Marc, nous connaissons que, eh bien, un pile bandit qui est même qui sont faits à opérer. Eh bien, là, donc, la police, dans le commissariat depuis une semaine, côté que, ils ont commencé ensemble avec conseil de arrestation. Eh bien, la police a arrivé, mettre bat pour bat, au niveau du commissariat Saint-Marc. Eh bien, ils ont arrêté deux membres qui ont opéré. Et bien, au niveau de Saint-Marc, et bien, la police, la ville de Saint-Marc, qui a arrêté Ulysse Stenio, alias Caporal, ensemble avec Ariel Ronaldo. Et bien, tout de ça fait partie d'un gang qui est spécialisé dans braquer monde, fouiller machine, voler moto, à toute qualité, l'autre arme. Et bien, dans ces zones, particulièrement la population, toujours a subi des actes de violence, tant qu'on est dans la zone Fresino, qu'on est dans la Santa, et bien, cité ça y est, et bien, pour une cité ça seulement, et bien, la police, et bien, dans le cadre d'enquête, il et bien, il était arrivé à joindre un fusil, et bien, et Mark et Winchester, et bien, modèle 9A94AE. De tout rejoindre et bien, au niveau de et bandit ça Jacques Nabgaleli et bien M. Zayo, il y a de partie de un groupe qui a opéré au niveau de zone Florence côté que même il y a gagné pas il y a une bandit qui peut décrire les papiers et bien deux ça même il y a toujours à opérer la la police lui même c'est grâce ensemble avec les populations hein, au niveau de Saint-Marc qui il même il a essayé de collaborer ensemble avec autorité pour arrêter deux et gang ça qui a opéré au niveau de Saint-Marc en a regardé et pour nous voir comment et visage monsieur ça mais c'est deux gros gangs et qui même qui a opéré au niveau de Saint-Marc et bien donc la police est arrivée mettait en bas code à Nirwana ensemble avec Ulysse Estenio alias Caporal, c'est deux bandits qui a opéré et bien au niveau de Saint-Marc. Oui, voilà. N'a pas vite regardé extrait vidéo, mesdames et messieurs, justement, et bien détour ça on a suivi là, et bien qui en bas code n'a pas ça passé dans la ville Saint-Marc. Bravo la police, bravo. Et oui, eh bien, nous partons pour vous, mesdames et messieurs, en entendant l'extrait. Une fois de plus, l'autre premier conseil a dépalé, il est toujours innocent. Il est toujours innocent. C'est toujours faute de l'autre monde, mais c'est jamais faute de paille. Nous partons pour. Moi, Zam. Mais, les pas Zam, je suis confronté avec. Je sais que si je suis volé, il faut que vous côté Mia et vous mettez dans la position Mia et nous parlez de la caille, nous sommes partis ensemble avec. Et il faut aller dans la machine ensemble avec. Si la machine privée, quand vous passez sur votre là, vous campez. Ou même à papi de kon paret. Kon gen lò plizè nèg la. Nèg yo kanpe nan bout route. Mè misye papi ap kon paret la kay mwen al rete. Eske nou pale lèm de fwa la kay mwen pou mal jwenn an ba ansanm avèk nou. Chen lan baza, vire tout nan gen tout wè zam nan myon nèg. Gen dan tout wè zam nan myon nèg. Mais kon nan, eske zam nan kon nan mwen monsieur? Zam nan kon nan mwen oui. Zam nan kon nan mwen majwe mwen nèg yo. Zam kon nan mwen oui. Wa jwenn zam sa? Zan sa va poser une question, non? C'est chef là qui a posé une question. Est-ce que vous avez une question? Nous sommes sous quartier. Où est-ce que vous avez un chef? Combien de fois vous avez un chef?
ne voulons pas suffisamment. Est-ce que nous avons des causes, messieurs, dames? Est-ce que nous avons des causes? Quand il y a là, moi, policier, je me félicite. Quand nous avons des bandits, ça, nous avons déparlé. Mais nous vivons dans une phase là. Là, nous finissons prêts comme ça. Nous finissons avouer, nous finissons déparlé. Là, comme ça, remettre population. Parce que quand il y a là, privé, nous avons pas de place dans la prison, mesdames, messieurs. Nous n'avons pas de place là. Et puis, nous avons gardé pour eux. Tout innocent. Yo tout innocent. Yo toujours prétendre qu'ils sont innocents. Mais ça, belle, ouais, c'est des gangs, des voleurs. Youn kap denonse lot. Youn ap denonse. Oui, il a avancé dans le même cas d'information. Il s'est fait avancer au niveau du pays d'Haïti. Et bien, nous avons fait des déclarations pour parler de la police et nationalement. Et bien, c'est un véhicule confisqué 10 ans. Et bien, et arrivé saisi, toi et bandit tombé dans l'échange de coups d'armes avec la police. Il y a divers individus qui jouent une arrestation dans divers départements dans le pays d'Haïti. Et bien, c'est bilan police nationale a présenté dans le cadre d'opération Bénin pendant et dernier jour ça, porte-parole de la police nationale là, et M. Garibou Rosier, et bien, dans la même conférence, et bien, il fait qu'on ait créé 7 monde qui perdit la vie, et bien, dans l'accident de circulation, en coup de déclaration, Garibou Rosier qui lui-même. Et dans les choses que lui-même lui a essayé, on peut de presse lui a expliqué bien comment la situation lui-même lui a dit que des gens qui tombaient et bien des véhicules qui avaient confisqué 10 âmes qui arrivaient et bien saisi et bien des 3 bandits qui tombaient et bien dans le cadre échange de tir ensemble avec la police dans plusieurs zones, dans le département et pays d'Haïti, et côté que et bilan ça, la police est arrivée et présentée en Alcôté, et bien déclaration Garibou Rosier qui lui-même qui n'a pas répondu à la question, et je n'ai pas oublié que c'est porte-parole police nationale d'Haïti. En côté réactionné. Les femmes qui saisissent lors d'intervention et opération de la police, gagnent plusieurs munitions qui confisquées. Pour Pipiti, il y a 3 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement. Au niveau accident de circulation, il y a 7 morts par accident de circulation, 5 blessés, il y a 2 chaloupes qui confisquées. En total, il y a 770 arrestations et qui faites sous tout département. Dans le nord, la police a arrêté dans le quartier Morin Jennifer Bataille, qui continue que de Jessica, 29 ans, et l'arrêté tout Saint-Hubert, ainsi connu, qui vient 35 ans. Moussaïo fait partie de membres actifs gang qui a évolué au niveau quoi des bouquets, zone Canaran. Il a avoué que il a été une permission pour installer une gang dans la zone Limbé. Et Junior, ainsi connu, qui s'est trésorier réseau Sahara, la police a recherché l'activement. Au niveau quoi des bouquets, la police déjoué un enlèvement très tôt le matin, vendredi 16 juin 2023, suite à l'intervention, brigade d'intervention qui au niveau commissariat ou sous-commissariat Bon Repos. Au niveau Pétionville, la police a arrêté Décius Jameson, 29 ans. Bon, c'est ça, c'est exactement ça. Bravo la police et bravo monsieur, continuez à faire de bon travail là. Bon, c'est nous besoin de ça. Mais monsieur, on nous retourne justement dans le cadre de sanctions. Homme d'affaires ça, mesdames, messieurs. Nous, ouais, qui viennent de sanctions là. André appelle, il faut nous retourner sur ça. Parce que oui, homme d'affaires a commencé à prendre sanctions normales et Pradel puis la nul. Bon, c'est faut nous retourner sur ça. Parce que là, je nous dis, puisque nous connaissons ça, c'est eux qui gagnent moyen, c'est eux qui ont besoin de munitions. Eh bien, là, on prend sanction, parce que nous devons être contents, en quelque sorte. Oui, monsieur, on prend ça, on prend. Oui, Mabjiste, il faut un petit commentaire concernant notre directeur et porte-parole, PNH, là, qui vient de parler, dans le bilan, pendant un mois de juin, déjà présenté, avec 10 âmes saisies et plusieurs bandits tombés. Mais non, Mabjiste, non, et discours porte-parole, là, Dimitri. Ça qui prend presque tout auditeur n'est pas content. C'est lorsque les bandits tombent, il y a beaucoup de gens malheureusement. Mais comment se fait-il qu'un bandit tombe à Zamnan, mais la police ou tout le monde malheureusement? C'est un langage qu'on. Non, dis-moi, quel est le langage diplomatique? Non, pas bandit, ça va faire nous bien, mais parce que c'est pour. Il va faire nous bien, mais il n'a pas qu'à dire comme ça, comme quoi ça fait le plaisir. Vous comprenez, oui. C'est diplomatie, il est obligé de faire comme ça. Il est obligé, malheureusement. En tout cas. Ok, I give up. Pas de continuer.
Oui, il a avancé le même cas d'information, et déjà que nous sommes en délit, et bien la police, même pendant que la police travaille par lui, et bien là, au niveau des communautés internationales, là, particulièrement le Canada, lui-même dit à Bano, il y a un coup de main, et bien je le dis, et bien il connaît qu'il y a une sanction qui a eu pour un compte, et bien qui plusieurs mondes ont accusé comme élite, bandit, et qui a perturbé les populations haïtiennes, et même d'affaires André Appel Junior, est placé sur même liste aux côtés de trois chefs gangs sanctionnés par le Canada à cause de la situation dans le pays d'Haïti. Et bien, côté que je parlais de Joseph Wilson, alias Lamo Sanjou, Vite l'homme innocent et Johnson, André, alias Iso, et bien, c'est toi, notre édilie, ça y est, qui est arrivé pour responsable lui-même. Et d'après déclaration du ministre, et bien, Mélanie Jolie, bien, lui, apporté par ambassadeur canadien dans le pays d'Haïti, et bien, arrivé pour une sanction contre et Bodhi Sayo, parce que depuis on met dans le sens, c'est pour comme je dis, et bien Abdo Ké, c'est l'homme d'affaires André Appel Junior, et nous rappelons que André Appel, qui vient de faire groupe, et bien, et groupe 1804, côté que, et nous rappelons avec le groupe 184, et bien le seul étape à battre était capable de bouiller, et bien Jean-Bertrand Aristide Allé et bien groupe 184 côté que M. Sayo, ils viennent occuper aussi de fonctions et bien toujours été ensemble avec même petit groupe oligarque qui a un peu de problème et bien au niveau des pays d'Haïti et bien Nabdouke et bien M. Sayo qui eux-mêmes ont pris sanction contre eux-mêmes et bien Nabdouke depuis ont pris sanction contre eux-mêmes et bien ils mettent une liste bandit et qui compte que monsieur a perdu lui-même lui a passé et bien connaît que lui-même lui dans la Tibonite et bien qui compte pas passer son point d'interrogation puisque nous connaît au niveau de la communauté internationale là particulièrement la France et Canada ensemble avec les États-Unis sur un petit point sanction et bien c'est le Canada qui lui-même qui prend sanction contre André Appel Junior ensemble avec trois autres monde qui ont accusé et bien qui eux-mêmes ils bail en pile difficulté et bien que et c'est Johnson André alias Iso et tout le monde connaît et plutôt il a parlé de Joseph Wilson alias Lamo Sanjou et bien et puis ensemble avec Vite l'homme innocent il veut faire partie du groupe et ça que les groupes et monsieur qui est censé apatriser la population. On a écouté et bien déclaration que il aurait été arrivé concernant et bien André Appel Junior qui placé son même liste au côté de toi chef gang sanctionné par le Canada à cause et libération et bien, au niveau du pays d'Haïti. On a lu pour la fois côté et bien déclaration qui ont été arrivées au niveau de la presse. En tout cas, avant de passer extrait ça, mesdames, messieurs, moi-même sincèrement, moi-même satisfait, moi content parce que j'en ai toujours dit et moi connais qu'un pile dans nos capitaines que yo prend Boulos, Dimitri Vob, mais nous sommes bonne voie, mesdames, messieurs. Vous voulez faire quoi que Chérif Abdallah jeune sanction, hein? Mais qu'on y a là André Appel jeune sanction et nous connaît implication directement les Dimitri Vob, hein? Les Reginald Boulos directement dans l'amour président Jovenel Moïse, c'est-à-dire que eh bien sanction Canada prend là, il y a une force, il y a une importance. Pas oublier que indirectement les États-Unis c'est par ça le fait à Canada pour attaquer monsieur Sayo. C'est clair. Moi-même personnellement, je nous dis nous content parce que gesserie de oligarques monsieur Sayo, ce sont les intouchables. Pas gen monde qui était capable même parler de yo, pas gen monde qui était capable même citer nom yo. Allez voir jodi a là, ou attendez yo. Yo nan media, y a cité nom yo et puis yo mettez on en liste. Et même côté avec tout l'autre, mais c'est gagné. Ça, c'est pas quelque extraordinaire. Li. Ou ap gade André Appel, l'homme soi-disant tout puissant, même côté avec Vite l'homme, même côté avec Iso, même côté avec Lamo Sanjou. Bien que c'est sur certains, nous toujours ap dit, ti bandi sa yo, eh bien, mes papa yo, mes mettre yo, les André Appel, les Boulos, les Dimitri Vob. Donc, nous sous bonne voie, mesdames, messieurs, c'est ça lié. Dimitri Vob, Reginald Boulos, nous ne pouvons pas inquiéter nous pour moun sa yo, mesdames, messieurs. Yo même, gen l'autre sanction pour yo qui pi grave. Nous gen l'autre sanction pi grave pour yo. Mais quand même, mes amis, depuis nous piti, depuis nous levé, nous avons les APED, nous avons les Akra, nous avons les MES. Ou pas, moun sa yo pas capable, même si t'es non yo, frère. Mbè ou moun défi là pour me dire pour nous Haïti là, ou t'es capable d'oser si t'es non moun sa yo. Ou t'es capable de gagner, même photo yo, ou pas la ka affiché. Mais je dis là, yo mette yon dans même liste que gang, victoire, son victoire lié.
William Noël, là sous ça. Bon, Jimmy Noël, là, une série de façon qui a continué. Bon, en pile, monde content, en pile, monde dit bravo. Et bah, c'est quand même, il y a une raison pour content, il y a une raison pour dire bravo. Même de mon côté, je pense que sanctions, c'est vrai, il y a justement balayé le terrain politique là. Donc, c'est des gens qui sont dans le secteur politique là. Des politiques traditionnelles, les sanctionnés. Si toutefois que les sanctions ont bon suivi, je dis bravo. Mais, je vais regarder là, les sanctions ont continué là. Les offices sanctionnés ne sont toujours pas de suivi judiciaire, pas de la justice. Toujours ce qui est libre dans la radio et dans la République et après des classes dans la presse. Nous avons gagné la dernière manière, le cas, nous avons parlé, nous avons gagné la dernière manière hier là. Mais ça, c'est Julien Saïd qui occupe pour responsabilité autour. Il y a même tout, communauté internationale. Oui, alors, Jimmy, la justice quand même. Alors, il faut dire, la justice doit passer à l'action. Il faut que la justice, parce que sanctions, comme c'est des sanctions souvent unilatérales, donc la justice, même qui fait une entité. Qui sont une entité qui s'y pose et tranché, donc il faut que la justice tranche. Il faut que vous produisez des dossiers à la haïtienne, tout faut faire même quand même, il faut que vous me dites. Malheureusement, la justice n'est pas bon, mais c'est lui nous gagner. Nous sommes un pays indépendant, son pays indépendant qui nous est, même si toutefois c'est dans bouche de même dans le toutefois, même gens, la justice prend des gens là, pour emprisonner et casser et tuer la torture, nous avons tout. La justice haïtienne, mais là, le Canada a fini de sanctionner. De sanctions, pas d'interrogation, parce que sanctions sont sanctions quand même. C'est comme si nous avons un privilège qui est gagné, pas gagné encore. Parce que sanctions qui sont liées, c'est qu'on a le Canada, on va pas gagner encore. Mais bon, côté, nous, il faut que la justice frappe. Nous devons mettre ça.